ça dépend vraiment de la structure psychique du papa, de comment lui il a construit sa propre histoire, d'une part avec sa propre mère, comment il a construit son désir d'enfant et comment il a construit sa relation à cette femme-là. Donc en fait, là encore, certains hommes effectivement éprouvent des difficultés parce que cette femme qui commence à d'abord se focaliser sur son enfant, ce ventre qui pousse, ce corps qui devient beaucoup plus maternel, les troubles. Alors les troubles en rendant cette femme uniquement mère, et pour d'autres, au contraire, c'est les formes de la femme la rendent encore plus féminine. Et l'excitation est encore plus importante. Donc ça dépend vraiment de l'histoire du père et de comment ce désir d'enfant s'est parlé dans le couple. Et comment ça, tout ça s'est organisé.